Salut, moi c'est Manon, j'ai 16 ans, et ma passion dans la vie, comme tu peux le deviner, c'est la danse. Mon modèle, mon inspiration, c'est cette fille qui danse en surimpression à l'écran. Et c'est cette fille que je vais vous présenter aujourd'hui. Après avoir assisté à de multiples de ses cours de danse, mon admiration pour elle et pour son talent n'a cessé de s'accroître, et c'est pour ça que je l'ai choisie aujourd'hui. J'ai d'ailleurs eu la chance de l'interviewer aujourd'hui, donc je vous laisse avec les images. Bonjour, je m'appelle Nargès, j'ai 17 ans, ça fait à peu près 7-8 ans que je fais de la danse. Et bah ouais, je suis passionnée. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'y consacrer ma vie? C'est juste en fait la façon dont je me sens quand je danse. Dans n'importe quel état d'esprit, je sais que si je danse, je me sentirai toujours mieux. Trois conseils pour s'améliorer en danse: croire en soi. Si tu as confiance en toi, tout te sourira. Voilà, jamais lâcher même si c'est dur parce que ça veut dire que tu progresses. Pas se comparer aux autres, ça peut faire du mal parfois, mais prendre de l'inspiration des autres. Alors par rapport à StageKid, j'ai participé à une émission en Corée du Sud. Ce qui était le plus incroyable franchement, c'était déjà le moment où on passait sur scène et aussi quand on a eu l'occasion d'aller s'entraîner là où Blackpink et tout s'entraîne. C'est comme si on faisait un stage dans la vie des idoles. Franchement, il n'y a pas d'âge pour commencer la danse. Vous commencez la danse parce que ça vous passionne. Parce que la danse, ça doit vraiment vous apporter quelque chose et vous devez vraiment sentir quelque chose quand vous dansez. Ouais, juste amusez-vous et partagez, parce que la danse, c'est du partage. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Quand je danse, ça me fait toujours plaisir de voir les gens sourire. Voilà, merci.